Allez, donc on arrive chez Walid à Moissy-Cramayel, le toutou de Walid. Bonjour toutou. Avec Rémi. Et donc on est en train d'installer les cinq qu'on a récupérés à Ponto Combo, on a été chercher. Ouais. Donc là c'est une d'Adam, ben voilà. Bon, il manque du matos, donc il va l'enrucher dans la hausse parce qu'il n'a pas de. Il n'a pas assez de cadre, donc on va l'enrucher dans la hausse et puis il complétera après avec le matos quand il l'aura. Okay. Tu la mets plutôt à droite hein, là, pour le moins pas tout de suite contre la porte, tu vois. Plutôt oui. Par là. Hein. Comme ça. Ouais. Voilà, tout. Voilà. Non, ça, tu touches pas. Ça, non. Il n'y a pas moyen de soldat une doigt une fois ou deux. Il va vite comprendre pourquoi accrocher. Alors là, il faut que je dépose. Tu peux faire basculer le carton et puis tu fais doucement. Tu fais tomber un paquet doucement et puis. Mets-le, ouais, ouais. Mets-le debout. Le truc, tu le mets. Jusqu'au bout, ouais. Comme ça. Ouais, tu laisses comme ça, voilà. Et puis après, bon, ben ça, c'était un truc pour couvrir. Il doit y avoir des abeilles dessus, tu vois. Oui. Tu fais juste, tu tapes une première fois. On fait toujours pareil, hein. Tu tapes comme ça une première fois pour avoir un paquet qui va rentrer, comme ça. Oui. Voilà. Okay. Quand il y a des trucs sur les cartons, tu les mets de côté. De toute façon, elles rejoindront. Donc, t'as pas besoin de t'en occuper. D'accord. Tu laisses comme ça. Tu laisses qu'elles découvrent les. Elles vont descendre et elles vont découvrir les cadres. Donc là, t'as le temps. Okay. Tu laisses un peu voir la température. C'est le chien? Non, c'est parce qu'il y a le. Mais la bouche comme ça. Ouais. Il y a le poids. Ouais, il y a le poids. Mais c'est le chien qui fait le poids. Ah, ah ouais, dégage toi. Eh bien là, gauche. Allez, je te laisse faire, tu fais tomber un deuxième paquet. Oui. Regarde, allez, tu te mets dedans, tu tapes un coup sec, ça fait tomber un paquet. Vas-y. Fort. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Juste, ouais. Pose ton carton à côté et laisse-les découvrir. Tu peux me mettre dans l'herbe, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, ce que tu disais là, ça par exemple, c'était l'ancienne immatriculation dans les bureaux. Je sais pas après, si c'est le tien, mais que c'est pas chez toi, est-ce que ça ouais. Marche. Je sais pas, c'est juste un particulier. Apparemment, c'est pas. Ah bah oui, non, mais c'est même plus un geste écologique à ce qu'il paraît. Ouais, t'as bien fait de faire comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller immatriculer comme les autres bureaux là, tu vois. Oui, j'ai fini de s'entraîner. J'attendais que tu la ramènes. Il faut déclarer un truc que tu ramènes pas. Ouais, ça, je pas bon, hein. Par contre, en attendant, je vais écouter mon collègue, je vais les laisser dans la hausse. Parce que moi, j'ai pas de cadre. Il aurait fallu qu'on aille à Jardinland pour acheter de la cire pour les mettre dans la grande rue. Il manque de plaques de cire. Là, elles vont rester là comme ça, comme une fois, comme ça. Bah, Marc. Oh, bah là, elles peuvent rester tout le temps. Mais pour fermer, non? Oui, oui. Bon, on va poser un truc dessus. Avec ça là, pour l'instant, et moi je vais revenir avec un toit. De toute façon, il suffira de remettre ça. Ça, c'est une hausse, il suffira de la mettre sur la truc principal et elles descendront, elles iront dans les. Elles iront s'installer dans les. Et comme là il y a de la cire, si elles commencent à accepter de. Oui, ça va leur plaire là. Ça, c'était la cire. Normalement, elles sont. Voilà, il y a. Et la cire du Néperon, ça, où il y avait plus de même. Pour 300 ici, vraiment pas beaucoup. Ah oui. Après,
assez agressif, mais ça fait non. Tu viens pas plus de la tête dedans. C'est super beau, des bords comme ça. Petit à petit, elles se... Ouais, s'étale, elles vont tout. Tu peux taper, c'est le reste du carton, hein. Tu ouvres bien les pans, tu tapes et tu descends tout là. Ouvre bien les pans, sinon on va avoir du mal à descendre. Voilà, super. Tape fort, hein. Enfin, secoue fort avant de tomber. Sans toucher le carton, il ne faut pas toucher la ruche. Parce que là, il y en a encore pas mal dans le fond. Tiens, regarde, regarde comment je fais. Ça. Voilà, on a tapé le carton. Toutes les abeilles sont dedans. Bah, c'est bon, hein. C'est enrichi. Hein. Ben non, mais dès que tu fermes comme ça, les abeilles, tu les verras plus, hein. Plus personne ne les verra. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'attendre. Hein. C'est vite fait. Hein. Laisse entrouvert pour qu'elles rentrent, mais voilà, c'est bon. Hein. Ça leur donne le temps de bien se regrouper, et puis voilà, c'est marrant. Hein. Allez, bah on peut dire fin de la vidéo, c'est fin de la recherche, on est bon, hein? Oui. Alors, fin de la vidéo.